Il est 22h30 quand la quiétude de la rue du Cré est perturbée par des cris de femmes, des hurlements de douleur et du bruit de verres brisés. Un camion utilisé pour transporter le bétail est stationné à l'angle des rues Tremblin et Dagorne. Des jets de pierre se produisent et son pare-brise est fracassé. C'est là qu'on comprend qu'il y a deux personnes à l'intérieur, visiblement blessées puisque les jets de pierre se poursuivent. Ils viennent de partout. Le véhicule est bloqué, impossible pour ses occupants de s'enfuir. Sur le moment, les langues se délient. On apprend que quelques minutes plus tôt, Désiré Luiz était agressé à coups de sabre. Des individus sont entrés chez lui. Sa mère, ses sœurs sont dans la rue. Désiré lui est transporté à l'hôpital. À ce moment précis, la police n'est toujours pas sur place. Quand elle arrive, la colère des habitants monte d'un cran. Les habitants veulent tirer les deux hommes du camion, mais la police s'y oppose. Les policiers ont eu beaucoup de mal à dégager le véhicule. Bien plus tard, le towing de la police arrivera sur les lieux. Alors que les jets de pierre et d'autres projectiles se poursuivent, dans le véhicule immobile, les deux hommes tentent de se cacher. Les renforts arrivent, la police met deux heures avant d'évacuer les blessés du véhicule et fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule qui grossit à vue d'œil. Le conflit dégénère alors et ce sont des jeunes qui affrontent les policiers anti-émeutes. Le gaz lacrymogène incommode les habitants du quartier qui dormaient avec les fenêtres ouvertes en raison de la chaleur. Des enfants tous, des femmes appellent à l'aide, un véritable chaos. La police a pu rétablir l'ordre vers 2h30 ce matin. Les traces des affrontements encore visibles dans les rues. Bilan, 3 blessés graves. Désiré Luiz, admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jitou. Imran Daoulot, le chauffeur du véhicule, blessé à la tête. Un autre occupant du véhicule, Abdul Ouzir, est lui aussi à l'hôpital Jitou. Et parmi les habitants, quelques blessés légers. Compte rendu de Jean-Luc Emile à l'hôpital Imran Daoulot arrêté s'est confié à notre confrère du Sunday Times, Mohamed Alkiz. Il réfute les allégations d'agression. Nous l'écoutons. C'est le moment où mon camion en place, il y a des gens qui me font derrière moi. Il y a une rose de tsunami. Il y a deux mois pour moi, pour tout le monde. Pour nous, moi, c'est nous en place, pour ce camion-là. Et moi, je vais faire un camion pour tirer Gaddafi, le Gaddafi. Je vais faire un camion pour tirer, je vais pas descendre. Je vais me couper, je vais me nier, moi.
La police enquête pour connaître l'origine de ces incidents. Des arrestations sont à prévoir.